Yo les gars, Flapik, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans le guide complet le plus possible concernant le farm des camouflages et des XP d'armes sur le mode zombie de Call of Duty Modern Warfare 3. Cette vidéo sera séparée en deux parties, une première qui se concentrera sur l'XP d'armes et une seconde pour débloquer les camouflages. Le meilleur moyen d'XP vos armes est de camper les exfiltrations. Dans votre équipement, prenez la mine à énergie, et un équipement mortel est assez efficace tel que les cocktails Molotov par exemple. Déployez-vous sur la carte et les exfiltrations apparaissent au bout de 5 minutes. Utilisez ce petit laps de temps pour essayer de vous équiper au maximum. Faites des contrats, c'est le meilleur moyen d'obtenir de l'argent facilement et rapidement, notamment les contrats de kill, la livraison de véhicules ou le coffre. Prenez les atouts les plus essentiels pour vos armes, c'est-à-dire passe-passe, à la limite marathon et même Daikiri pour avoir plus de dégâts dans la tête. Si vous croisez une orbe d'éther, n'hésitez pas à la faire pour avoir un outil d'éther assez facilement, et si vous avez encore de l'argent, n'hésitez pas à pack-a-puncher votre arme. Une fois que vous semblez prêt, essayez de rejoindre un point d'exfiltration dans la zone de faible menace. C'est toutes les parties grises de la map. Une fois à la zone d'exfiltration, appelez l'hélicoptère. À partir du moment où vous appelez l'hélicoptère, il y a beaucoup de zombies qui apparaissent. Au début de partie, le spawn est assez faible, et plus vous avancez dans la partie, plus il y aura des zombies qui apparaîtront lorsque vous appellerez des exfiltrations. Quand il y a le spawn de zombies, essayez de packer le plus possible, tuez en priorité les zombies avec votre mine à énergie ou votre équipement avec votre arme équipée en main. Les kills avec les équipements ou les spécialistes permettent d'XP l'arme que vous avez en main. Utilisez votre arme pour tuer les zombies afin de recharger votre spécialiste. Les zombies lâchent très régulièrement des munitions ainsi que des plaques d'armure afin que vous puissiez ravitailler facilement. Quand l'hélicoptère est sur le point de partir, ne le prenez pas, laissez-le quitter la carte et vous restez. Au bout d'un petit temps, la fumée pour appeler l'exfiltration réapparaît. Rappelez l'exfiltration et faites ceci en boucle. Vous pouvez très largement monter une arme niveau max en une partie. Et c'est assez important du fait qu'il y a des camouflages qui se débloquent au dernier niveau de l'arme. Si vous avez des jetons de double XP d'armes, n'hésitez pas à les utiliser ou à jouer pendant les week-ends de double XP. Maintenant, concernant les camouflages, sur toutes les armes, que ce soit celle d'MW2 ou MW3, il y a 4 camouflages à débloquer afin de débloquer le défi qui vous permettra de débloquer le camouflage or. A savoir que les armes d'MW2 ont leur camouflage mastery bien à elles, et pareil pour celle d'MW3, c'est des camouflages différents pour les armes des différents jeux. Pour les 4 premiers camouflages, il y a un petit peu de tout comme défi. Il y a des défis que vous pouvez faire en farmant les exfiltrations, comme pour XP les armes. Comme par exemple tuer 250 zombies, faire 5 kills plusieurs fois sans relâcher la gâchette, faire des headshots, faire des kills avec 4 atouts équipés, faire des kills avec le maximum d'accessoires équipés sur votre arme, faire des kills peu après avoir utilisé votre amélioration de combat, faire des kills en visée tactique, c'est avec l'arme légèrement penchée, des kills à bout portant, donc c'est assez proche des zombies affectés par votre équipement tactique, la grenade leurre est vraiment pratique pour ça, plusieurs fois 10 kills sans recharger votre arme, ou même pour les snipers, 3 kills en une seule balle. Il y a d'autres défis de camouflage qui vous demanderont d'aller à différents endroits dans la map. Il y a par exemple un défi de camouflage qui vous demande de tuer des imitateurs. Le meilleur moyen d'en trouver, c'est dans les forteresses infestées. Il y a un autre défi vous demandant de tuer des massacreurs, on en trouve vraiment pas mal dans les contrats d'escorte. Il y a également des kills vous demandant de tuer des zombies blindés, pour ceci le mieux est à la limite de déclencher une exfiltration dans la zone de niveau 2 s'il y en a une. Il y a un autre défi qui vous demande de tuer des disciples, pour ceci il faut parcourir un petit peu toute la map dans la zone de niveau 2. Un autre défi vous demande de tuer 50 mercenaires, pour ceci n'hésitez pas à faire des forteresses ou des camps de mercenaires. Un autre défi vous demandera de tuer des chiens de l'enfer, on en croise un petit peu partout, plus régulièrement dans les zones à partir de la zone de moyenne menace. Un autre défi vous demandera de faire des kills dans une zone de difficulté moyenne voire élevée. Déclenchez une exfiltration dans la zone de difficulté moyenne. Enfin, il y a certaines armes qui vous demandent de faire un défi en tuant des zombies par un effet toxique par exemple. Ceci fonctionne avec les AAT, c'est les modes de munitions. Pour en obtenir, faites des forteresses infestées, on en trouve très régulièrement. Des zombies affectés par la glace, il faut cryogénisation. Des zombies touchés par de l'électricité, il y a câble HS. Pour l'effet toxique, il y a putréfaction du cerveau. Zombies touchés par le feu, il y a le mode de munition napalm. Et enfin, le dernier, souffle fracassant. Quand vous avez débloqué les 4 camouflages de base de votre arme, vous débloquez un défi afin de débloquer le camouflage or. Il faut faire 100 kills avec l'arme et vous exfiltrer. Au moment où sort la vidéo, il semblerait qu'il y ait un problème, que vous ayez l'arme pack-a-punch. Non, des fois le défi ne se valide pas. J'essaierai de vous tenir au courant avec le commentaire épinglé. Une fois que vous avez obtenu l'équivalent du camouflage or sur toutes les armes d'une catégorie, vous débloquez le défi pour débloquer l'équivalent du diamant. À ce moment-là, vous devez faire 300 kills avec l'arme pack-a-punchée. Une fois que vous avez débloqué un certain nombre de catégories d'armes dans l'équivalent du diamant, vous débloquez le défi pour le troisième camouflage mastery. À ce moment, vous devez éliminer 10 zombies spéciaux ou élites avec votre arme. Les zombies spéciaux ou élites sont les imitateurs, les massacreurs ou encore les disciples. Une fois
fois que vous avez débloqué un certain nombre de ce troisième camouflage, vous obtiendrez automatiquement le camouflage ultime, qui est l'équivalent du Dark Matter. Pour les armes d'MW2, c'est le camouflage bioluminescent. Et pour les armes de Modern Warfare 3, c'est le camouflage Borealis. Pour résumer, sur les armes de MW3, le camouflage Énigme d'or est l'équivalent du camouflage or. Ensuite, on a le camouflage Zircon, qui est l'équivalent du camouflage diamant. On a ensuite le camouflage Serpentinite, qui est l'équivalent du platine, et enfin le camouflage Borealis, qui est l'équivalent du Dark Matter. Sur les armes d'MW2, l'équivalent du camouflage or, c'est le camouflage ivoire doré. L'équivalent du diamant, c'est le camouflage spinel. L'équivalent du platine, c'est le camouflage arachnide. Et l'équivalent du Dark Matter, c'est le camouflage bioluminescent. Il y a également certaines armes qui se débloquent. En sélectionnant leur défi, vous devez simplement terminer un certain nombre de défis du jour. A savoir que si vous la trouvez sur la map en mode zombie et que vous vous exfiltrez avec, cela vous permet de débloquer l'arme. A savoir que vous pouvez vous déployer sur la map en zombie, avec l'arme que vous désirez en la customisant complètement via les emplacements assurés qu'on trouve dans la catégorie équipement. Si vous mourrez définitivement, l'emplacement assuré aura un rechargement d'une heure. Vous pouvez réduire ce rechargement en faisant des exfiltrations. Vous débloquez des emplacements assurés en avançant dans les actes. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à savoir concernant le farm des armes sur le zombie de Modern Warfare 3, que ce soit l'XP ou encore les meilleures stratégies pour débloquer vos camouflages. J'espère que cela pourra vous être utile dans votre farm du camouflage ultime du mode zombie de MW3. N'hésitez pas à liker en guise de soutien, abonnez-vous pour ne pas louper un seul guide sur le mode zombie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine, bande de beaux mâles.